Bon, il y a pas mal de gens qui me le demandent. Qu'est-ce qui s'est passé, ma bouteille? Oui, vous, vous doutez bien, il y a eu un problème, c'est pas normal. La bouteille, c'est pas comme ça, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une raclette. Et story time, hein. J'ai fait ma raclette. Et en fait, je l'ai posée sur le côté, contre la raclette, et du coup, ça a donné ça. Je pensais que c'était du plastique dur, tu vois, ça résiste, tu vois. Mais en fait, non, c'est du plastique aussi dur que la défense de Gataï, c'est-à-dire, c'est le néant, quoi. Donc, bon, bah, voilà. D'ailleurs, au passage, par rapport à ça. Il y a un petit easter egg dans la vidéo. Il y a un petit easter egg, mon frérot. Il y a un easter egg dans la vidéo. Si tu le trouves, t'es le boss. Je te le dis direct, t'es le boss. Si tu le trouves, l'easter egg, tu le mets dans l'espace commentaire. Je te le dis direct. T'as le droit, mon gars, à un putain de cadeau, à une putain de reconnaissance de ma part. Et Dieu sait que j'ai un ego surdimensionné, mec. Donc, ouais, je pense que tu vas dormir, tu vas dire putain. Waouh! Waouh! Yo les frérots, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va super. Excusez-moi si je tape maintenant que j'ai un siège. Excusez-moi d'en profiter, j'ai le droit de taper. J'avais pas de petit truc sur le côté. En vrai, vous avez compris. On va aller showcase Gogeta DBS une deuxième fois aujourd'hui dans une team assez atypique. C'est une team movie, les gars. Oui, movie. Ça fait longtemps et vous me l'avez demandé également. On va aller jouer à movie. On va aller jouer avec Thalès. Pas Broly Violet, plus ça pour la mais surtout Thalès et Great Saiyaman. On va jouer Great Saiyaman pour donner un petit peu de pivot au personnage, voir, parce que en fait, j'ai envie de le jouer, j'ai drop pas mal de fois, et j'ai envie de le jouer Great Saiyaman, oui, je vais jouer Great Saiyaman en ladder, oui, y a quoi, où est le problème? Où est le problème? Déjà, alors, par rapport à ce matin, l'arbre est quand même beaucoup plus monté, j'ai bien bossé, j'ai surtout craqué tout mon ACT, c'est à ne pas faire. Quasiment les 4 premiers arbres sont à 200%, le 6ème est 180% aussi, donc en vrai, là, c'est quand même mieux. Putain de taf. Alors, du coup, ce qui est cool, c'est que le perso, il va avoir pas mal de pivots dans la team. Et ça, c'est intéressant. Putain! Excusez-moi. Du coup, ce qui se passe, ce qui est pas mal, c'est qu'il a quand même le pivot de Thalès, le pivot de Great Saiyaman, le soin de Great Saiyaman et tout. Ça peut être plutôt sympathique. Enfin bref, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à tout de suite pour les games, parce que je pense que ça va passer bon moment ensemble. Excusez-moi, j'ai oublié de recorder l'intro, ça va. Bon, c'est parti! Ça joue les deux boss ensemble, enfin il y a un boss, hein, celui qui a les poils de Zeru, l'autre ça doit être un EX. Let's go, on est parti. Gogeta ici. On esquive, on essaye une spé. Oh le bougon. Il y a un truc qui se fait pas, ça se fait pas, je suis désolé mais c'est pas normal. Ok, on va switcher sur Thalès pour donner les pivots quand même. Parfait ça. Les gros dégâts! Oh. On dirait qu'il l'insulte, on dirait qu'il dit Nigo! Enfin, là l'insulte, excuse-moi. Nigo! Tu peux arrêter de temporiser, s'il te plaît, on dirait un sablier! Oh! Oh, il a fait les petits pas! Oh! Yeah, 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 yeah. Le pouvoir de l'amour! Quoi? En vrai, je te sens trollé. Je vais faire une game de ouf, je le sens. Oui, on va placer l'ulti de Thalès. Mais c'est incroyable cette game. Cette game est réellement incroyable. On fait pas... Oh là là, mais c'est le boss. C'est le boss, lui. En vrai, la vérité, je troll, mais ça tombe bien. Ça tombe super bien. Intéressant, ça. Intéressant. Franchement, les gars sont cool, hein. Si je t'attrape, tu vas regretter. Non, en vrai, par contre, j'aimerais bien contrer. C'est contré. Dommage, ça aurait été incroyable de contrer là-dessus. Je te donner un gros coup dans le bureau. C'est pas la faute du bureau si j'ai pas contré. Attention au main, voilà, tout simplement ici. Eh hey, shit. Toujours pas fait l'aspect, hein. Donc on a toujours le bonus de la verte. Peut-être falloir que j'utilise un jour, mais ça c'est autre chose. Oh le bâtard. Baka. T'es un bâtard. Bon, dispel fait mal. Bah après, c'est des bonus à l'entrée en scène, donc à la limite c'est pas trop grave.
Ouais, en pioche une spé, c'est ouais. Non, mais en vrai, j'ai envie de placer une spé sur Gatai et Rising Rush Gogeta. Je pense que j'ai win, mais. Pas si facile que ça, je crois bien. Thalès 13 étoiles, pardon, les dégâts là? Tu remontes très clairement dans mon estime, frérot. Non, par contre, faudrait aller chercher une. Une spé, mais bon, j'en avais beaucoup là. Mais tout qu'en plus, celle de la verte, je l'ai pas placée encore. J'ai peut-être fait des misplays dans la game, mais. Ça sort quand même plutôt bien, moi, je trouve, hein, franchement. Bon, bah. Gatai, je crois qu'on va mélanger la haine et le sexe, mon frérot. Oh non. Elle est là. Ok, tranquille, tranquille, pas de stress. La verte, tranquillement. Voilà, y a pas de soucis, faut pas stresser. Voilà, on a gagné. Bon, bah let's go les gars. Déjà cette game qui s'est plutôt très très bien passée. Pas mal, franchement ce EX là de visage, franchement elle a l'air plutôt sympathique quand même. Ça doit être le meilleur EX de l'anniversaire. Je rigole. Non, franchement la team tourne bien. Gretzelman, par contre, dédicace à Gretzelman l'ulti sur son Végéto 14 étoiles. Hein. Waouh. On va mélanger la haine et le sexe. Du coup, team Regen en face les gars. Team Regen en face avec Gatai et Piccolo Zenkai. Allez parti. Let's go les gars, c'est parti. Il a pris le gros lard. J'avais mis l'SP dans un pas de côté là. Parfait, ça fait plaisir. Bon, pas terrible hein. Pas terrible cet entame de game. Heureusement j'ai l'homme à la cape hein, qui est un super héros. Heureusement que j'ai Superman qui est trop fort du coup. Enfin, Superman est forcément meilleur que Gatai. Il lui met des tartes en plus. On switch ici. On gagne une carte ici. Mais il fait mal en plus Thalès là. Et ça, c'est le gros problème de Thalès. J'en parlais l'autre jour en live. Là, j'ai tellement envie de faire. En fait, là, normalement, tu fais qui quoi Rising Rush sur Piccolo ou sur Boo. C'est incroyable, tu vois. Et malheureusement, bah, t'es obligé de faire l'ulti sinon le perso est nul. Ça prend, en fait, tu vois. C'est le gros problème du fait que le perso bah, sera plus joué. C'est exactement ce qui vient de se passer. Bon, après, j'ai Gretzelman qui est meilleur perso du jeu. Donc, du coup, ça se passe bien. Ah, bah, d'accord. Ah, bah, d'accord. Du coup, en vrai, je vais main parce que je sais que le main, enfin l'ulti passe à travers les Kikoa. Et je pense avec les bonus de Thalès, ça peut faire mal et ça tourne bien malheur. Ça tourne plutôt bien ici. Compliqué de tomber Buzenkai, on va pas se mentir. Hein, je vois pas trop comment. Mais au moins séparer de son Piccolo rapidement pour pas qu'il nous embête avec ses SP. Et je pense qu'on peut tout à fait s'en sortir face à une grosse game. On en parlait des pivots de Gatai. Et ben, Gretzelman nullifie certains pivots, donc ben voilà. J'aurais eu Tidéa, ça serait pas ça avec toi. Dommage, ça aurait été un bon joueur, ça aurait été sympa. Pas trop envie de perdre Grad Simon là. Ok. J'ai pas fait de verte avant. J'avais un petit peu oublié, mais bon. Le problème, c'est que. Ouais, va falloir que je main. Hein. Il va falloir que je main hein, ici. Je vais main ici. Voilà. C'est pour m'assurer ici. Pour... Je pense qu'il va tempo. Voilà. Pas forcément obligé de garder la. Oh, mais il va être intuable, lui. Franchement, il va être intuable. J'ai l'impression qu'il soigne plus que des dégâts que je lui enlève. Vous m'expliquez comment c'est possible déjà? Ça va être compliqué les gars. La verte ici, il faut la faire. Il faut la faire si on peut attraper Piccolo à partir d'un moment. Allez c'est parti, let's go. On donne tout les gars, je donne tout. Hein. J'ai une team moins forte mais je donne tout, hein, ça se voit. N'empêche Thalès, ouais, il soigne plus je crois. Il soigne plus là je pense. Oh, Gratia Man qui soigne je veux dire. Il me le laisse. Ça me bat. Il a peur du Rising Rush, c'est sûr et certain.
Mais voilà, gagné les gars. Ah, je sais pas si ça tue là. Je sais pas si ça tue parce que dans le combo Piccolo Zenkai ça tank de ouf les gars. Mais la team fait franchement le taf hein. Regardez, on a encore nos 3 persos hein. Allez les gars, par contre c'est abusé quand même. Il va peiner à nous tuer hein. Et Gratz Sayaman qui termine le travail en tant que sauveur, incroyable. Non franchement, très surpris et très content d'avoir gagné face à une grosse régène. D'habitude je gagne jamais face à régène. Et là je la gagne, donc c'est ultra cool hein, vraiment. Allez c'est parti, team, grosse team future quand même, grosse team future ici. On va commencer avec Thalès, et let's go. Allez let's go les gars, c'est parti avec son Vegeta violet. Ah par contre il a pas pris VB du coup. Oh les lags. C'est un joueur FR ça je crois. C'est pas beau hein, les lags, c'est pas beau, pas beau. Bien joué, il m'attrape ici. L'aspect, il fait mal. Ok, je croyais qu'il allait. Il, je pense qu'il aurait pu verte, etc. Bon, ça, il m'a pas détruit de verte en même temps, j'en ai pas pioché, donc c'est pas compliqué. Voilà. On n'est pas bien alors. Là, on n'est pas bien du tout là. Pour l'instant, on a commencé très mal la game, il est meilleur que moi, très clairement. Ok, des gros dégâts, on switch. Oh là, combo à l'infini. Combo à l'infini, ok. Franchement, je vais claquer les mains inutiles. Oh, mais comment il tank lui. Je vais claquer les mains inutiles, les gars, ici, très clairement, parce que là, sinon, on va prendre beaucoup trop cher, je pense. Au moins, ça me permettra de mettre un petit peu de dégâts. Je vais pouvoir mettre Gogeta, essayer de vert-p, mais. Sans pas bon cette game. Oh, j'ai failli surprendre. On était pas loin de surprendre, dommage. Ok. Ok, on met Gratz Sayaman ici. Parfait. Franchement, je pense qu'on va. Je pense qu'ici on a le kill sur son sel. Oh les dégâts. Ah ouais, les dégâts sur sel sont assez énormes. J'ai presque envie de main ici parce que je me dis que s'il fait quelque chose, on passe à travers, mais il sera pas bait, ça sera un bon joueur. Verte. Wow. On a retourné la game en l'espace de 2 moves. On a retourné la game en l'espace de 2 moves. Très clairement ici, Thalès qui va faire le taf et qui va récupérer ses boosts. Gratz Sayaman est en place. S'il faut perdre quelqu'un, je me demande si ce serait pas Gogeta ici hein, qui a fait déjà un taf de taré au passage. Let's go! Le main va chercher la vitesse de récupération qui des dégâts réduits, un boost de 70% de dégâts sur le reste de la game. Voilà pourquoi l'ulti fait si mal hein, d'ailleurs. L'aspect qui coûte 29, c'est tellement fort. On va la caler hein, ici parce qu'avec les pivots de la team, bah, le perso fait quand même. C'est assez insane. Il est très très fort en fait en movie. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort en movie. Vraiment, je suis ultra surpris de la team, je suis ultra surpris du perso. Gros kiff. Gros kiff cette team movie qui va presque nous permettre de l'emporter. Spé direct. Bah. Ouais. Très con. Là, c'est franchement, le showcase est incroyable. Le showcase est absolument insane de Gogeta. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal. Et c'est super cool. Allez let's go team divin. En face très clairement c'est divin. Et je pense à partir double vert. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre Broly violet en vrai hein. Parce que là il y aura forcément un vert hein. Donc je pense que c'est le moment de prendre Broly violet. Mais je suis pas fan hein, en movie. Mais il nous faut une menace violette. Allez c'est parti. Il a pris qu'un seul vert. Peut-être parce que mon Broly lui a fait peur je pense hein, mais bon. Oh les dégâts déjà de Thalès là.
Bon, mettons Broly violet en vrai. Tant que j'ai pas de verte, j'ai pas envie de switcher sur Gogeta. Hein, donc, il n'y a pas d'intérêt. On va voir si ça tourne mieux ou pas avec, sans Gratiaman, mais je pense pas. Hein, ça va tourner, ça risque de tourner un peu moins bien quand même. Hein, parce que Gratiaman apporte du son et tout, non, franchement. Très surpris du perso, hein, ce qu'il a fait. Waouh, 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 waouh. Ça va Broly un bon soin, mais. Wow. Allez, la verte qui va être proc ici. Ok. On a bien tempo ici. On va même pouvoir aller chercher le Rising Rush. Ici, Rising Rush. Là, clairement, Rising Rush. Hein, parce que là, je vais pas aller chercher l'ulti ou je sais pas quoi. Il va donner. Ah, et là, il a un choix dur à faire. Hein. C'est son choix. Franchement, c'est peut-être pas forcément celui que j'aurais fait. Par contre, j'espère juste que je me fais pas contrer. Si tu me contres. T'as bien fait, Toshi, hein, parce que là, c'était. C'est bon. What the fuck. Allez, let's go, on est parti. On est bien parti, on est très bien parti. J'ai pas envie de main tout de suite. J'en vois peut-être, mais. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là, ça va être le maillon faible, Thalès, ici. Très clairement, il va falloir que je le perde. Si me Rising Rush, je laisse. Si l'ulti, je mets quand même Broly ici. C'est seulement si moi. Parce que là. Ou alors il va me laisser en vie, mais ça. Ouais, 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 là on a utilisé l'ulti. On aurait dû l'utiliser direct. Il avait fait le dash avant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le problème de Thalès. Hein. C'est voilà, c'est pour vous montrer aussi quand tu n'arrives pas à le placer, bah, malheureusement. Voilà. Broly sans 4 HP, ça tanque moins, mais ça va tanker quand même. C'est cool. Franchement. Ah, j'aurais dû faire le main avant pour avoir les boosts de dégâts. Main spé ici, c'est tellement fort. Relève interdite, c'est la vraie spé là. Mais on aurait dû faire le main avant, on aurait eu le boost de dégâts. On va pas tuer, hein, mais au moins on va le mettre low. Putain, franchement, non, mais les gars, il fait mal quand même le perso. J'ai bien envie d'essayer la verte là. En vrai, j'ai bien envie d'essayer la verte. Je crois que ça fait un petit moment, il n'en a pas fait, non? Non. Dommage. Dommage ici le Rising Rush. Bah, du coup, je voulais récupérer ma TP, mais au final, je me fais Rising Rush. Donc, c'est pas le bon move. Mais bon, Gogeta a fait quand même des très belles choses. Hein. Il a mis une pression, il a mis une spé qui fait mal. J'en demande pas forcément plus en vérité. Ah, ça, ça fait chier, je crois qu'on la lose là-dessus. Ouais. Bah, je vais vous la mettre parce que déjà, de 1, il a bien joué. Et de 2 aussi parce que, en vérité, c'est pour vous montrer que sans Great Saiyama, je trouve que ça tourne quand même vraiment moins bien. Broly a pris cher et tout. Non, je pense que ça tourne vraiment moins bien. Du coup, on va rester avec Great Saiyama pour la dernière game. Allez, c'est parti, Diva en face. On a dit qu'on jouait avec Great Saiyama. Donc, on part sur ce trio des beaux gosses ici. Et let's go pour cette dernière game. J'espère, les gars, ça veut dire que j'aurai gagné. Enfin, quoi que je mets pas que des victoires en vrai. Enfin, bah, la preuve en est. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il joue bien Blast, pourquoi? Allez, c'est parti, on l'attrape avec Thalès. Bon, en fait, là, c'est le moment où la team a pas assez pivot. Elle a pas la. Enfin, j'ai pas de verte. Et grâce à la main pour le soin, je le mets surtout. Et peut-être pour aller me chercher une verte. Non? Non, non. Bon, bah, on va chercher de verte alors. On va pas chercher de verte. Putain, c'est chiant. Franchement, c'est chiant quand ça se met comme ça. C'est super chiant. Quand t'as la verte, t'as l'impression qu'elle arrive jamais. Et tu sais pas pourquoi. Mais une ulti déjà? Alors là, par contre, ça va lui faire vraiment mal. Hein. Je pense qu'il va peut-être switcher en vrai. C'est possible. Hein. Ça va piquer, ça va franchement piquer. On a le verte, on a la verte P, hein, vous l'avez vu, donc fais pas de bêtises. Rien que ça. Ok. Ah, c'est moche ça. Le mec, quand il arrive dans le pas de côté, comment ça rend fou. Il a fait une spé tout à l'heure avec Goku Boo, mais elle date un petit peu quand même, hein, non?
Toujours fort. Le one tap qui a failli me coûter très très cher là. Il a plus le main. Il a plus le. Si, si, il l'a. Si, il l'a. Et si, il l'a. Fait chier. Si, si, il l'a complètement. Ce qui me met dans la sauce. Regarde sa main, ça se fait one shot. Ça joue vraiment bien par contre. GG à lui, hein, il joue super bien, il joue mieux que moi. Il joue mieux que moi, mais je me dis, je l'attrape une fois, ça peut être incroyable, mais. Déjà une fois, j'arrive pas. Je vais vous dire comment deux. Et la NVB est terminée de travail sur Gatsa. Mal. Ok, bon, on va remettre Thalès là. Ça, je vais mettre Gogeta tout de suite en vrai. Si j'attrape pas, si j'arrive pas à l'attrape. P. Thalès. On est en train de le faire, les gars. C'est parti. C'est terminé. Allez, Thalès. Spé. Let's go. Gatsaman, tu rentres sur le terrain. Main. On dash arrière. Et on rising rush ici. Et normalement, c'est la win. Bon. C'est tout pour montrer aussi la team. Malheureusement, la Gogeta, il y aura peut-être pas eu de dinguerie en vérité. Sauf si évidemment on se fait contraindre à pas win. Mais par contre, la game de Thalès là, j'avoue, par contre, elle m'impressionne. Parce que le duo Gret Simon Thalès, franchement, je jouerai ça en live. J'ai pas peiné. La vérité, c'est vraiment jouable. C'est une super team. Faites-vous plaisir avec Gogeta en team movie parce que c'est clairement possible. En tout cas, merci à tous ces frères d'avoir été présents. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Coco le bricolo. On se dit à très très vite. Ciao.